Si dans 4,22 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu veux t'abonner pas, tu ne pourras pas regarder le nouveau trailer officiel de Fortnite saison 3, donc ne prends pas de risque et abonne-toi. Aujourd'hui les potes, pour ceux qui sont intéressés, j'offre un petit cadeau dans la boutique de Fortnite pour gagner un petit skin. Donc voilà les gars, vous pouvez tous participer. Donc vous avez juste les gars à liker cette vidéo. Du coup les gars, faut vraiment liker, vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Et vous pouvez aussi les gars de mettre votre pseudo Epic Game dans les commentaires. Du coup les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de fois en ce moment votre pseudo Fortnite. Moi les gars, du coup vous aurez plus de chances d'être tiré au sort, donc n'hésitez surtout pas. Moi les gars, vous pourrez gagner un petit cadeau de la boutique, donc n'oubliez pas le like, l'abonnement et la cloche de notification. Et surtout les gars, votre pseudo Epic Game dans les commentaires, donc vous pouvez spammer, ça y a pas de problème. Du coup les gars, aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris à cette intro et même les gars au titre et à la miniature, on va parler justement les gars du trailer de la saison 3 de Fortnite. Et vous allez voir les potes, j'ai quelque chose à vous présenter juste énorme sur Fortnite. Donc vraiment les gars, restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vraiment très important. Au moins les gars, vous allez pouvoir voir les gars le trailer de la saison 3 de Fortnite. Et en plus les gars, on va l'analyser et je vais vous montrer un petit peu toutes les petites choses qu'on n'a pas vu justement directement en le voyant. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous allez voir les potes, au moins ce sera une petite exclusivité sur la chaîne YouTube. Du coup les gars, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo un maximum. Et du coup les gars, je vais vous montrer le petit trailer, ça y a pas de problème là-dessus. Donc cette vidéo sera un petit peu plus courte que les autres. Du coup les gars, je vous montre directement ça à l'écran. Et du coup les gars, nous on se retrouve dans quelques instants. Je vous laisse avec le petit trailer. Donc voilà les gars, comme vous avez pu le voir, ce trailer est juste magnifique. Et du coup les gars, simplement comme vous avez pu le voir, on a pu retrouver le skin Aquaman, tous les petits skins voilà de la saison 3 du chapitre 2 que je vous avais déjà présenté. Et tout simplement les potes, on va directement l'analyser. Et du coup les potes, on va un petit peu voir tous les détails de ce petit trailer de Fortnite. Et vous allez voir les potes, il y a quand même pas mal de choses je pense que vous n'avez pas directement vu à la première visualisation justement de ce trailer. Et vous allez pouvoir voir les gars, il y a vraiment énormément de choses qu'on n'a pas non plus vu. Et vous allez voir les potes, je vais vous montrer tous les petits secrets de ce trailer. Donc ça, il y a pas de problème là-dessus. Et au moins les gars, du coup vous allez pouvoir un petit peu tout découvrir, donc ça, y a pas de problème là-dessus. On se retrouve direct. Ok les potes, donc là on va directement passer au petit secret de ce trailer, mais avant on va se le revisionner et au moins je vais pouvoir vous donner mon avis justement du coup sur ce petit trailer. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires une petite note sur 20. Du coup les potes, on est directement parti, on va le regarder ensemble. Du coup les potes, directement ça commence, on peut voir du coup une pierre tombale avec Vicruy, du coup My Cat. On peut voir du coup un nouveau skin, donc souvent il y a un skin qui était directement dans la caserne de Midas, et on peut voir du coup ce petit skin qui creuse dans le sol. Là les gars, on peut voir que du coup ce skin là est en train d'inventer des skins, on dirait. Ah les gars, du coup on dirait ça que c'est la femme de Aquaman, on dirait. Ok ok. Et du coup les potes, là directement elle plonge. Là on peut voir du coup Aquaman, tous les petits skins sur le côté. Et bah franchement les potes, c'est super cool. Et là les potes, du coup c'est directement la fin, donc c'est un petit trailer mais qui est juste énorme. Du coup on peut voir que du coup c'est en partenariat avec DC Comics, donc en bas à gauche c'était écrit. Donc voilà, franchement les gars, c'est assez énorme. Donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc on va directement les gars se le re-regarder. Du coup les potes, comme je vous l'ai dit déjà au début, on peut voir que du coup il y a comme une genre de pierre tombale où c'est écrit My Cat, donc mon chat. Donc je pense que du coup c'est pour la mort de Miosclé. Donc je pense que ça doit être ça. Ensuite les gars, directement on peut voir, comme je vous l'ai déjà dit les gars, le petit skin ingénieur qui est en train justement du coup de creuser pour voilà justement la tombe du chat, donc qui est mis au clé. Ah, je pense hein, bien sûr les gars, du coup parce que les gars, regardez ici, on peut directement retrouver une photo de Miosclé. Donc voilà, donc on peut retrouver aussi les gars à peu près la même chose que du coup dans l'agence. Donc pour la saison 2 du chapitre 2, on a eu la caserne de Bidas, et bien là ça fait un peu la même chose. Et du coup les gars, où normalement on a la machine de Doomsday, et bien les gars, là ce qui se passe c'est qu'on peut du coup créer des skins. Et du coup je pense qu'il va essayer, voilà, et du coup les gars là il essaye justement, le skin ingénieur, de remettre un skin un peu Miosclé. Donc voilà, on va essayer de se le repasser. Donc c'est ici, voilà, on peut voir un genre de skin Miosclé, donc c'est assez sombre mais on peut quand même un petit peu distinguer. Et on peut voir du coup les gars un genre de skin Miosclé mais en version robot. Donc voilà, donc c'est assez stylé franchement les gars, moi j'aime bien. Et du coup ce sera un petit peu comme la même chose qu'avec le skin banane. Donc voilà, après ça continue. Là les potes, directement on passe dans un autre plan. Donc là on peut voir directement que du coup il y a un skin. Là je pense que du coup c'est la femme de Aquaman, parce qu'on peut voir du coup elle a des écailles et tout, donc je pense que c'est à peu près la même chose hein. Donc voilà, donc après les gars on peut voir du coup un petit skin Bambi. Donc là les gars, vous voyez pas avec ma caméra, regardez je vais l'enlever. Et regardez les gars, vous voyez bien ici à gauche, qu'il y a un skin mieux, bah un petit
un petit skin Bambi qui est justement du coup avec une genre de bouée. Et on peut voir surtout les gars la maison qui est justement du coup sur une bouée. Et ça c'est assez intéressant parce que Billy Pot sur une affiche directement à Lizzie Lake, on avait pu voir du coup une maison qui était justement du coup sur une bouée. Et là les potes on peut voir du coup des voitures qui sont en train, bah, une voiture de police qui est en train justement de flotter dans l'eau. On peut voir aussi pas mal de choses dont des maisons aussi inondées qui n'ont pas été surélevées par des bouées. Donc ça c'est assez cool à savoir. Et du coup les gars on peut voir que c'est vraiment très très bien fait. Là les potes du coup le skin ouvre la porte et de savoir il est en train de descendre dans l'eau. Donc là les potes là dans ce petit plan là on peut voir quand même pas mal de poissons et tout. Donc il n'y a pas de nouveaux poissons à ce que je vois. Donc voilà, voilà, on peut voir du coup même des coffres les gars qui vont être en dessous de l'eau. Ensuite les gars du coup on va un petit peu continuer. Là les potes on peut directement retrouver les 5 skins du pass de Aquaman. Donc je pense qu'il y en a un petit peu plus. Mais de toute façon les gars comme vous pouvez le voir on retrouve du coup le skin Aquaman, le skin ingénieur, le skin Neosclé en version robot, le skin chevaleresse noire et tout simplement les gars du coup normalement le skin femme de Aquaman. Donc franchement les gars il est assez stylé. Après les gars là on peut retrouver justement la pioche de Aquaman. Donc franchement les gars il est assez stylé, j'aime vraiment bien. Et du coup les potes après on peut retrouver une autre pioche. Donc comme une sorte de dague que du coup les gars le skin cheval, le chevaleresse noir a du coup dans sa main. Donc franchement les gars moi j'aime bien. Et ensuite les gars à la fin du coup ça passe directement sur du coup l'écran de fin où on peut retrouver du coup en bas à gauche, je vais enlever ma caméra, on peut retrouver du coup le petit logo DC Comics, on peut retrouver du coup les tous les petits logos, donc comme du coup Unreal Engine, donc c'est à dire du coup les gars le truc qui fait Epic Game et tout simplement les gars Epic Game. Ensuite les gars on peut retrouver du coup toutes les plateformes, donc ce sera toujours disponible sur toutes les plateformes et on peut voir du coup que c'est toujours gratuit, donc ça y a pas de problème là dessus donc voilà du coup les gars on a fait la petite analyse et du coup les directement on va repasser en vidéo. Donc comme vous aurez pu le voir les gars à ce petit trailer il est quand même juste magnifique. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et du coup les potes pour finir cette vidéo on va parler bien sûr les gars de la saison 3. Et vous allez voir les potes il y a d'énormes informations qui ont été leakées. Et vous inquiétez pas les gars je vais vous en faire part un peu comme le trailer. Donc vous inquiétez pas les potes on va directement en parler. Donc déjà les gars on a un premier screen de la map comment elle devrait être. Du coup les gars tout simplement on, voilà un petit peu un gameplay si vous préférez. Du coup les gars je vous montre directement ça à l'écran. Comme vous pouvez voir du coup les gars on peut retrouver le skin Aquaman qui est en train de nager sous l'eau, tout simplement du coup sur une ville qui s'appelle Atlantis. On peut voir du coup en haut à droite la ville, donc dans la mini carte. On peut aussi retrouver du coup plusieurs petits poissons qui sont plutôt jaunes et qui sont pas, ils sont pas rouges en fait. Donc je ne sais pas du tout si ce sera des nouveaux poissons, mais tout simplement les gars ça peut être assez stylé. Ensuite les gars à cette petite ville Atlantis, on peut toujours retrouver une voilà une genre de grande épave de bateau pirate. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au niveau de tout ça. Et du coup les gars pour l'instant on n'a pas plus d'informations à part du coup ce petit screen qui a été leaké et on peut voir que pour l'instant les animations sont vraiment très très belles sous l'eau. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite les potes on va directement passer à une autre petite information. Parce que Billy Pot il n'y a pas non plus que ça qui a été du coup entre guillemets leaké. Parce que Billy Pot pour arriver à la saison 3 du chapitre 2 on va du coup les gars avoir l'événement de Doomsday. Donc l'événement les gars de l'apocalypse. Et Billy Pot on a tout simplement les gars l'événement qui est en train de se faire. Et du coup les potes je vous avais déjà présenté dans une vidéo et surtout sur une miniature comment ça allait se dérouler. Donc parce que les gars je vous montre directement ça à l'écran. Comme pour les gars simplement sur ce petit screen on peut directement retrouver dans la caserne de Midas 3 tuyaux qui sont justement reliés à la machine de Doomsday. Et surtout les gars ce qui est assez impressionnant c'est qu'on peut retrouver comme une énorme boule d'énergie qui est justement les gars dans la machine. Et comme vous pouvez le voir les gars du coup pour l'instant on n'a pas plus d'informations mais on sait qu'il faudra du coup avoir cet événement pour passer de la saison 12 à la saison 13. Du coup les gars ça c'est un peu logique. Et pour l'instant les gars on a pas mal de choses qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu, que ce soit du coup des comptes à rebours, voilà vraiment énormément de choses donc sur cet événement. Donc franchement les gars restez bien sur la en faire une vidéo consacrée. Donc voilà ensuite les potes on va directement passer à une autre information parce que oui les potes quand on va du coup passer à la saison 3 du chapitre 2 on va avoir pas mal de choses qui vont changer esthétiquement, surtout les gars au niveau du lobby, du pass de combat et surtout du coup au niveau du quartier général. Et du coup les potes on a déjà un petit screen qui a été fuité et qui justement a été un petit peu tourné. Du coup les gars vous inquiétez pas je vous le montre directement à l'écran. Comme vous pouvez le voir du coup on peut retrouver pas mal de choses dont du coup les gars le skin Miosclé en version robot. On peut aussi les gars retrouver du coup pas mal de choses dont du coup les gars le skin Aquaman et aussi les gars du coup pas mal d'autres skins que je vous avais montré dans le trailer. Et franchement les potes c'est juste ouf. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce petit trailer de passe de combat et surtout du coup sur tout ce qui passe à l'écran depuis tout à l'heure. Donc franchement les potes il y a énormément de choses que je vous ai leaké dans cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, c'est vraiment très important. Et surtout les gars partagez à vos amis cette vidéo, n'oubliez pas les gars aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, n'hésitez surtout pas, merci aux personnes qui le feront. N'oubliez pas les gars aussi
aussi de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci aux personnes qui le feront. Et du coup les gars, on se retrouve tout à l'heure pour un petit live. Et aussi les gars, du coup bah si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec une petite note sur 20 pour ce petit trailer, parce que franchement les gars, il était juste énorme, que ce soit du coup les gars de simplement le skin Aquaman ou même les gars de simplement toutes les autres choses qui sont tournées autour. Et bah franchement les gars, c'était juste énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura informé sur cette saison 3 du chapitre 2. Et du coup les gars, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis bye les gars. Allez, salut, salut, à plus.